remplaçait cette pub par une œuvre d'art. Là, quand on va mettre une œuvre, ça va être nice. Ici, là, c'est la... Wow, check les filles avec l'art. Wow, c'est cool. Les interventions. Thomas, ça m'intéresse, je veux embarquer, je veux t'aider. Puis là, ben, dans la ville, partout, il va y avoir des interventions aujourd'hui. Ouais, fait que nous, dans le fond, on va faire des pancartes. Ben là, on proche, d'abord. On traduit, puis après ça, on va faire genre des pancartes pour aller recouvrir les pubs. Fait que, c'est pour ça qu'on se met proche des sacs-lines, là. J'ai mis la l'activité sur le groupe hier, là. Parce que, on va avoir du monde en masse pour en faire, là. Mais c'est ça, dans le fond, l'idée, c'est juste de recouvrir les publicités, parce que c'est laid des pubs. Tout est fait mais débilement. Sauf les fonds, puis les Moi aussi j'en veux. Dans le fond, on était tanné de la publicité, puis parce que c'est trop partout tout le temps, on est bombardé à se faire dire qu'on est malheureux sans tel truc ou qu'on devrait avoir telle chose puis ça va nous rendre heureux puis c'est un bonheur qui est vraiment superficiel. La publicité monopolise vraiment beaucoup l'attention, même si on n'est pas des grands consommateurs, en fait, on ne va pas être les publics cibles, mais ça serait donc le fun que tout l'espace publicitaire qui est occupé en ce moment soit, mettons, un espace créatif. Ou de la publicité positive. Ouais, 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 exactement. C'est plutôt que pour vendre des trucs, publicité pour des causes importantes dans le monde. Mais le fait ici aussi, là. C'est pas juste des exportations, importations. Après, on a un jugement critique face à la pub qui fait comme, ben j'ai pas nécessairement besoin du nouveau iPhone qui vient de sortir, mais je suis concernée dans la mesure où c'est quand même de l'information qu'on m'envoie puis que tu captes, puis qu'après ça, c'est drôle, on fait comme, ah oh ouais, ça me rappelle telle affaire qui est en fond une pub ou comme, fait qu'en bout de ligne, ça reste quand même dans l'inconscient collectif et individuel, là, tu sais. Mais, fait c'est ça, c'est juste de, comme aujourd'hui, on voulait juste faire des choses qui rejoignent peut-être plus les gens dans le sens où comme, c'est plus le fun de te faire dire, as-tu souri aujourd'hui que genre, ben, nouveau dentifrice? De la pub, faire de la pub au pire instructive. Ouais. Parce que les gens prennent plus le temps de s'informer, de lire ou peu importe. Fait que ça pourrait être juste de la pub qui instruit les gens. Qui incite à se poser des questions aussi. Ou juste diminuer, juste en avoir moins. La vie, je sais pas, genre. C'est comme un peu un échappatoire des rapports sociaux, en fait, des rapports humains. Ouais. Je pense que maintenant, on est vraiment surstimulé aussi par l'information. Il y en a beaucoup. C'est clairement pas toute la bonne information. Partout, ça va vite. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau. Tu sais, t'as ton iPhone, mais il y a tout le temps quelque chose qui pop, puis genre, nouveauté, machin. Tu sais, c'est comme, on n'a jamais un rythme normal. Il me prend des moments de même où je suis comme, ah, c'est pas moi! Les bacs de terre où on a mis des légumes, tant qu'à moi, c'est un peu de la publicité, comme d'incitation à inciter les gens à faire leur propre jardin, puis à cultiver la terre, puis à comme, récolter ce qu'ils font. T'sais, tu regardes comme la mannequin complètement, tu seras jamais cette femme-là ou cet homme-là. C'est pas accessible, tandis que là, t'as un bac de terre. Regarde, tiens, toi aussi, t'es capable de faire la même chose, t'es capable de faire pousser tes légumes, fais les pousser, go, t'es capable. Wow! Parle-moi d'une pub qui est nice puis efficace. Maintenant, notre accès à l'information, c'est quand même un beau levier pour faire plein de choses parce que ça nous permet de rejoindre rapidement beaucoup de monde puis justement de faire des actions comme on en fait aujourd'hui. Sauf qu'en même temps, il faut être capable aussi, après ça, de décrocher pour réellement être dans l'action au moment où on le fait puis pour la vivre pour vrai puis pas juste dire « Ah, ben à 3 heures, sur mon événement Facebook, j'ai ça de planifié. » Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est des affiches pour recouvrir des publicités en écrivant des messages genre La vie magique. La vie magique! Ou souris, fais un contact visuel avec quelqu'un, regarde autre chose. Je sais pas, tu sais, t'as pas besoin de cette chose-là. Et c'est toutes des choses qu'on voulait faire, puis que sans un jour, on s'est dit, ben voilà l'occasion de le faire. Fait que c'est comme. Après, c'est juste qu'on sait qui est embarqué, ça nous fait un genre de réseau, puis qui est prêt à continuer, ben on continue, tu sais. C'est genre la légende du petit colibri. L'oiseau, c'est une légende comme autochtone. Il y a un feu de forêt, puis le colibri qui s'en va prendre des petites gouttes d'eau avec son petit bec, puis genre qui s'en va les partout autour du feu pour l'éteindre. Puis tous les animaux sont comme, mais qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien ce que tu fais là, t'as juste comme des petites gouttes d'eau de merde. Le colibri qui est comme, ben je fais ma part, genre, je fais ce que je suis capable de faire, puis si toi, avec ta trompe d'éléphant, tu fais ce que t'es capable de faire, ben on va l'éteindre le feu, genre. Là, c'est ça le concept. Puis dans le fond, ça fait tellement du bien parce que on est vraiment un groupe de gens, genre, qui faisons notre gros possible, tu sais, de juste comme. Tant qu'à moi, genre, dire allô à un inconnu, c'est un geste social, genre. C'est comme, yes, comme on se regarde, on se parle. Puis là, ben c'est comme plein de gens qui ont la même inspiration dans la vie. Fait que c'est parfait, là. C'est l'espoir.